Bonjour, je m'appelle Daniel Fizet et je suis membre du comité éditorial de la revue S. Au nom de toute l'équipe de la revue, il me fait plaisir de vous présenter notre dossier numéro 102, intitulé « Revoir la peinture ». Le choix du sujet pour ce dossier détonne des orientations récentes d'S. Comme le remarque Sylvette Babin dans l'éditorial qui accompagne ce numéro, notre revue choisit généralement d'adresser des problématiques sociales ou des thématiques qui dépassent le cadre défini d'un médium. Or, nous avons fait le pari qu'un examen de la peinture était aujourd'hui nécessaire, non pas pour la cantonner dans une forme définie ou pour tenter d'en offrir un panorama complet, deux exercices déjà accomplis. Au contraire, nous avions envie d'aborder la multiplicité de la peinture contemporaine en la considérant de manière fragmentée, en regardant autant ce qui la défait que ce qui la constitue, en examinant simultanément la persistance de certaines attitudes picturales et l'immense soif pour une autre manière de la comprendre. Plusieurs des contributions de ce dossier nous font d'ailleurs constater les chemins qu'ont trouvé les corps, les identités et les genres pour déconstruire la peinture canonique, en nous intéressant notamment aux pratiques d'artistes LGBTQ+, ou racisés. D'autres contributions tente de dégager des termes pour mieux réfléchir ce que fait la peinture. Ces termes nous permettent, entre autres, d'examiner de manière critique le retour de la peinture postulé depuis le début des années 1980. Les contributions de ce dossier nous font voir comment la peinture se réactualise constamment, intégrant des réflexions qui traversent nos sociétés. Qu'au final, ce qui intéresse la revue s'adresse tout autant par le biais d'un médium que par un thème. Bonne lecture!